Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Donc je vais tester des produits que j'avais eu dans le swap, quelques-uns. Et en même temps je vais vous faire un maquillage, comme ça peut vous donner des idées pour la Saint-Valentin. Donc tout d'abord je vais tester là le gel antibactérien, c'est à la fraise apparemment. Ça va se désinfecter les mains un petit peu. Sans l'alcool à fond hein. L'alcool à 90 degrés là, enfin 80, ouais 80. J'y suis, je vais même tester la petite bougie fleur tropicale qu'elle m'avait offert aussi dans le swap. Alors je vais tester le primer. Bon, à mon avis c'est peut-être pour le teint. Bon, je vais le mettre sur les yeux, une base lissante. Donc celle-ci. Bon, elle est blanche. Bon, pas d'odeur particulière. Elle est bien lissante, ouais. On a même mis un peu trop. Mais bon, ça passe quand même. Ça passe quand même. Donc, je vais tester les petits fards là. Donc, plutôt teint gris et tout ça. Voilà la marque, si vous arrivez, si vous avez à peu près la même. Ouais, ça sera un peu mieux. Je vais prendre aussi celle-ci. Ah oui, c'est vrai, il y a un truc. Bon, c'est des blushs, mais c'est pas grave, ça fait pareil. C'est la même chose. T'as plein de trucs. Bah tiens, en fait, je vais les utiliser comme... comme ce qu'ils sont. Peut-être prendre la plus claire, celle-ci. Je peux pas en mettre 3 tonnes non plus. Hein. Un petit coup de soleil. J'en ai mis un petit peu donc ça se voit quand même. Ça se voit un petit peu, ouais. Le bronzer. Ça fait peur. C'est aussi un de ces pinceaux. C'est pour faire du contouring. Du contouring, ma chérie. Bon, je vais estomper ça. Ben, j'ai plus trop de pinceaux en plus pour le teint, parce que bon, voilà. Après, j'en ai dans ma vitrine, j'allais dire, quoi. Dans mon étagère, mais bon, ils ont pris la poussière plus tard. J'en ai déjà. Ça fait une barre, toi, laisse tomber. Et d'estomper avec plus clair. C'est pas franchement une bonne idée, je crois. Ça se voit que j'ai une barre. Enfin bref. Je verrai ça plus tard. Apparemment, il y a un highlighter, hein. Je sais pas ce que ça donne. Moi je crois. Ouais, si, reflète bien la lumière.
Bah en tout cas, la bougie là, elle va bien. Elle s'envole. Elle va bien, pour tout coup. Oh, j'ai pris un estompeur. Mais bon. En fait, je fais la vidéo, mais j'ai pas lavé mes pinceaux. Donc, les pinceaux chouchous, je les ai pas. Bon, on va faire cet œil-là parce que cet œil-là, il y a, je sais qu'il y a la petite déshydratation, donc c'est pas trop cool. Ouais, est-ce qu'on suit les instructions un petit peu? La deuxième, il faudrait la mettre. Non, c'est ça va pas. J'en perds le pinceau. Voilà. J'ai trouvé mon petit pinceau. Mon petit pinceau, n'importe quoi, qu'est-ce que je raconte? Mon petit miroir. Ça, je verrai un peu plus clair. Mais j'ai l'impression qu'ils sont tous un peu avec des paillettes. Donc ça va être très pailleté tout ça. Il y a des chutes de fou. Je cherche après mon pinceau. Après, j'applique la couleur 3, un peu plus gris, dans le creux de paupière. Miroir, dis-moi qui est la plus belle. Vous avez prévu quelque chose pour la Saint-Valentin, vous? Parce que moi, clairement, non. Ben, poudreux. Très poudreux, cette affaire. Moi, non. Enfin, sinon, j'ai personne, donc. Ça me change pas d'habitude, j'en ai déjà. La Saint-Valentin, je l'ai fait une fois. Mais c'est tout. Enfin, c'était un resto, après, c'était une journée comme d'hab, quoi. Ouais, c'est très pailleté tout ça. Très pailleté. Donc ensuite, on va appliquer le noir. C'est noir, il n'y a plus. Des soirs. Ça, j'ai pris le bon pinceau pour faire ça. J'ai dit que j'allais faire. Un œil à la fois, mais je suis en train de faire les deux. Catastrophe. Le noir là. Mais c'est pas grave. Hop, on prend l'estompeur. Ça, vous voyez bien. Et ensuite, je vais mettre le numéro 1 un peu pour estomper encore plus. J'ai reçu un petit peu de pinceau.
Ah, le livreur. Miroir, miroir. C'est ça, il manque des miroirs dans les petites palettes en fait. Dans la palette justement là. Il y a beaucoup de chutes. Il est grave lumineux ce style-là. Non, en fait, il n'y a pas de mat dans cette palette. C'est que des. C'est que de la couleur. Mon racine. Mon estampeur. Quel est relou. Oh putain. Et comme j'ai pas de noir mat, mais je peux pas. Je n'ai pas pu faire. Franchement, je veux pas faire de. Je sais pas, j'hésite à faire un. Ah, liner, putain, je vais y arriver. Mais ça va faire peut-être un peu trop chargé, non? Si je le foire, j'ai pas envie. Bon, alors j'ai appliqué le mascara. Moi, c'est un Stélé. C'est le mien, donc. Donc voilà avec le mascara ce que ça donne. Donc là, New des lèvres. J'en ai trois. Alors j'ai un rouge. Donc, clairement, ça va pas aller. J'ai un rose. Ça va pas aller non plus. Et j'ai celui-ci aussi qu'elle m'avait envoyé. Le skin. Non, skin, skin. Et c'est ça. C'est un marron. Je crois que. Je crois que c'est une ombre à paupières, ce truc-là, je suis con. En plus, elle me l'a dit, je crois. Je crois que c'est ça qui c'est une ombre à paupières, parce que c'est mouillé. Bon, c'est pas grave, on va continuer de toute c'est appliqué. Et ça fait trop. Trop. Pas agréable du tout. Ma foi, c'est son transfert. Ça va le modifier un petit peu. Ou pas. Ou pas. Non, ça va pas du tout. Faut que j'enlève. Bah tiens, on va tester le lait démaquillant qu'elle m'avait offert. Petit Marseillais. Bon, clairement, c'est pour les yeux et le teint, mais bon. Ça rend très très bon. Mais ça s'enlève nickel, dis donc. Pour mon nude, je mettais un rose. Parce que j'ai pas. Oh, je mets partout. J'ai pas de. Après, c'est que des rouges. Alors, j'ai envie de te dire, je vais mettre un nude comme ça. Et si vous avez un plus nude. Parce que là, c'est. Oh. Peut-être avec un miroir. Plus près. Ça irait tellement bien. J'essayais de mettre un peu de poudre marron.
clairement pas un centre offert. Bon, clairement, il est un peu moins rose. C'est un peu lèvres déjà.